Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur FIFA avec la compagnie de Tarkov59 et Zatomix. Zatomix avec le Real Madrid et Tarkov59 en prenant le New York Red Bulls. Alors ça sera un match je sais pas comment. Je sais pas s'il sera bien ou mal. On verra quelle équipe qui gagne. C'est pas moi qui joue alors. Alors, dispositif pour New York Red Bulls. Et le Real pour 4-2-2-2. Commencer le match. On verra aussi qui va gagner sur ce match. Ouais. T'es fort. Alors le match va commencer. Donc la balle est au Real Madrid. Tactique est toujours si précieux. Merci Hervé, bonjour à tous. Benzema attaqué par son adversaire. Une belle passe. Avec comme arbitre Monsieur Jean Rabeau. Ozil. C'est quoi quelle équipe va dominer le match? Ça on sait pas encore. Bien anticipé sur cette passe. Ouais, logique, normalement. Bah, juste avant, il y avait un match qui a été fait. C'est Zatomix qui a gagné 2-0. Alors que Tarkos a dominé tout le match. Normal. Un penalty à la fin avec le New York Red Bull qui a carrément loupé son tir. Carrément au-dessus. Il se croit sûrement au rugby, ouais, comme il dit. Non, il n'a pas faute. Et il se rapproche dangereusement des buts. Ils ont peut-être il tire, non. Loupé. Ah, il a pas réfléchi. Au moment de tacler, il a pris le risque. Ouais. Il a peut-être ragé, sinon, non. New York, but. Et but pour New York Red Bulls. Par Cooper. De Zatomix. De Tarkov59. Donc pour l'instant, bah 1-0. Il y a quand même de belles passes dans le jeu. Ce serait une touche en faveur du Real Madrid. Et Cristiano Ronaldo maintenant. Et Merengue et qui reprend une possession du ballon. Belle possession. Bonne interception de Xabi Alonso. Est-ce que le Real Madrid va le marquer? C'est quoi de cette passe là? C'est un peu normal. Les 30 derniers mètres. Est-ce qu'il en mettra un deuxième? Ah non. Ouais, la fin du monde. Tarkov 59 il croit un peu. Il croit qu'il va mourir, mais bon. Pourquoi t'as fait ça là? T'as bugué ou quoi? La manette, ouais. Bah, il en manque un peu là quand même. Et la défense qui est sur le qui-vive, attention! Alors, vu qu'il est plus près du jeu, à côté, à côté. Elle était bien tirée quand même.
Ce sera une sortie de but. Ouais, carton jaune. Pour Olav de New York's Red Bulls. Des ailes. Oh oui, bien vu la passe. Ah, la passe de trop là peut-être. Ouais, très bonne accélération. Et non, perdu la balle. Oh, le tampon. Passe à Ozil. Xabi Alonso. Tout près de la zone de vérité. Non, même pas, pas de faute. C'est pas terminé. Non. Il avait bien senti le coup. Hors jeu, avec l'arbitre. Hors jeu, hors jeu. Donc Tarkos domine. Comme d'habitude. D'habitude il domine mais il perd. Là il domine, il gagne. Enfin pour l'instant. Plus 3 minutes de temps additionnel avant la mi-temps. Et ce sera une touche en faveur du Real Madrid. Sortie. Ce sera donc une sortie de but. Donc la vidéo va apparaître sur la chaîne de Zelatomix et de Tarkos 59. Donc la mi-temps, donc un but du New York Red Bulls, 0 pour le Real Madrid. Donc on va voir les progressions. Allez, tout peut arriver encore dans cette deuxième période. Ouais, deuxième période. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, quelle occasion ! Mais non, pas but. Tir, sans doute. Non. Ah non, ça marche pas comme ça, je crois. Bah non. Alors, c'est Atomix, là. Un petit but, non ? Même pas. Un but. Et si, un but de Zelatomix pour le Real Madrid, donc 1-1, égalité. Donc, qui va gagner? Donc, l'égalité, 1-1. Bien senti le coup, il récupère. Allez, ballon qui est sorti en touche. Kyle. Un bon match quand même. Cooper. Mais c'est pas encore fini. Bon, j'ai espoir sur cette passe. Ouais, je sais bien qu'on dit qu'il ne faut pas hésiter à prendre sa chance, mais là, quand même. C'est une sortie de but. Ballon pour le Real Madrid. Tu veux la faire à la David Beckham en 2006? Tu veux la faire à la David Beckham en 2006? Moi qui a tiré du milieu de terrain. Ils ont l'occasion de prendre l'avantage au score. Ils se croient dans un football américain. Sam. Cooper. On s'accroche. Un petit aveu d'un coup. Et non. Pas but, non. De loin qui avait peu de chance d'aboutir. Ah, ça passe très loin du cadre. Si ça reste toujours en égalité, ça sera une prolongation en tir au but. Donc on verra qui sera vainqueur du match. Le deuxième but, non? Oh, il joue avec les autres joueurs. Centre. Et non.
Oh non, à côté, à côté, à côté. On cherche l'ouverture. Jean Rabot qui s'est déjà dans sa tête, hein, s'il va mettre un carton. Donc 50% de possession chacun. Comme on peut voir. Il récupère le ballon, c'est le contre. Non. Ils ont pas très bien joué le coup, les attaquants sur ce contre. Je suis pas coincé. Un but. Mais non, même pas. Ouais, loupé, ouais. Donc, pour Tarkos, c'est qui va gagner à ton avis? Ozil. Il peut y avoir danger peut-être sur cette montée des joueurs du Real. Un superbe centre. On perd le ballon à la suite de ce centre qui n'a pas eu personne. Il est à l'interception. Toi. Et pour Zlatomix. Ouais, donc chacun poursuit. Pour moi, je sais pas. Ouais. Un petit peu avec le Real et un petit peu avec New York, on va dire. Non, elle est pas dedans, non. C'est quoi cette passe là à l'ennemi? Ouais. Habitué à jouer à Call of Duty, c'est pour ça. Il a du soutien et ça donne une balle de contre intéressante, vraiment. Là, c'est finalement la défense qui a le dernier mot sur ce contre. 3 minutes de temps additionnel avant la fin, donc ça reste un match nul. 1-1. Et non, même pas. Au-dessus. Donc 10 tirs pour New York et 5 tirs pour Real Madrid. Bon. Donc fin du match. Donc 1-1. Donc ça sera les tirs au but. Donc une prolongation de 15 minutes. On va oublier la fatigue pendant toute cette prolongation. Le ballon pour Thierry Henry. Attention au contre. Et non, même pas. Elle était bien tentée, bien tentée. Sur cette passe. Une simulation là. Ah, et sage décision, là, mais sage décision. On va reprendre le match. L'entraîneur qui peut rentrer du 109 en attaque. Ouais, et tant de coups, tout simplement. Il aurait vraiment été con, bon. Donc Tarkos essaye de remettre à but pour faire une victoire, mais non, même pas. Ouais, il est le premier sur cette passe. Ouais, il reste au sol. Peut-être une élongation. Ils ont peut-être un bon coup. Oh, c'est bien parti. Et non. Un arrêt. Je peux vous dire que pas une défense, c'est très précieux. On va bien comme ça. Et c'est un arrêt important parce qu'il permet à son équipe de rester dans le match encore. La parfaite la passe. Mendela. Donc dans ce match, à Spider-Man, comme dirait Zlatomix, en gardien. Et non, poteau. Donc, fin du match. Deux équipes qui vont changer de côté.
Ouais, la seconde période de la prolongation, la plus dure, puisque la fatigue est à son maximum. Les 30 derniers mètres. Allez, touche, on est dans les 30 derniers mètres. Le ballon perdu bêtement. Deuxième sortie. Et non, pas de but. Ils essaient de prendre le match à leur compte. Ouais, c'est dommage, il y avait mieux à faire sur ce point. Oh, la belle frappe. Et non, toujours pas de but. Je croyais qu'elle allait rebondir dedans, mais non, même pas. Cherche pas, mais ta bite tire à droite, pas. Dax McCarthy. Oula, en place à l'arbitre. Karim Benzema. Oh, il est bien donné ce ballon. Elle s'est blessée et d'après le geste, ça ressemble à une élongation. Real Madrid qui récupère la balle. Ozil. Attention à ce contre, ça peut faire mal. Un but d'Ola. Elle est bien partie cette frappe. Et un but de Ozil à la 119e minute. Donc le Real Madrid gagne 2-1. 2-1, je dis. Et ça, c'est un gros motif de satisfaction. Il reste seul. Peut-être une élongation. Il mène à la marque désormais 2 buts à 1. Donc Zell Atomics avait bien raison, c'est lui qui allait gagner. Ça va pousser hein, dans les dernières minutes. Ah non. Quelle est bien partie. Ballon poussé par le gardien, ça joue. Ali, qu'est-ce qu'il a fait en pénalty, il veut l'avoir. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Il veut avoir donc Zell Atomics veut avoir Tarkos en pénalty. En tir au but à la fin. C'est gâté. Le moment était bien choisi pour marquer, mais sûrement pas contre son temps. Non. Donc qui va gagner? Ça on sait pas. Allez, le tour de Thierry Henry qui s'est lancé. Et un pour New York. Bien joué le coup là. Le prochain ce sera pour Cristiano Ronaldo. Un pour le Real. 1-1. Deux pour New York. Un deuxième pour le Real peut-être. Non, 0. Donc un toujours pour le Real. Un troisième pour New York. Donc qui est en victoire pour l'instant. Deuxième but du Real. Donc Zell Atomics croit être dégoûté pour la finale. Donc un quatrième but, New York. Un troisième pour le Real peut-être. Non, toujours pas. Donc Zell Atomics dégoûté. Et Tarko 59 content. Tarkos disant être très triste pour Zell Atomics qui a perdu. Donc Zell Atomics dégoûté là. Donc ça fait 1-1 partout. Donc 1 pour Tarkos ici. Et il y aura un épisode prochain pour la revanche du match. Pour remettre la victoire à un de ses joueurs. Donc on va se quitter sur un score de 2-2. Donc bonne vidéo et abonnez-vous.